Allez, avec Denis, ouais. Félicitations. Merci. Tu gagnes hier, tu gagnes encore aujourd'hui. Ouais. Je vais parler doucement parce qu'il parle un peu français. Hein, donc je vais te poser simplement une question. Comment tu as pêché aujourd'hui? Tu as pêché au bord tout doucement, c'est ça? À 12 mètres, j'ai départ. Ouais. J'ai départ à 12 mètres et il a touché. Tu as eu quelques poissons? Oui, ouais. 15 pêches et après, pas de touche, pas rien. Ouais. J'ai encore hâte 25 mètres. Ouais, tu as réagi, tu as essayé d'aller derrière? Sur 2, 3 touches et pas de pêche là. Ouais. C'est pas régulier, c'est ouais, ça? Ouais. Et après, je. Après, tu as pris la décision de partir loin, comme ouais, on a pu loin, voir, ouais. 50 mètres, c'est ça? 50 mètres, oui. 50 mètres, ouais. Et après, ça, encore. D'accord. Et le départ, il a beaucoup de pêche. Ouais, du coup, tu es resté sur cette pêche à 50 mètres tout le temps. Ouais. Et pourquoi tu as pris la décision de partir si loin, à 50 mètres? Le même rien. Hier, c'est ouais. ça? D'accord, ouais. ok. Le même pêcher. La même pêcheur, ouais. d'accord, ouais. ok. Ça, comme ça. Donc, tu gagnes avec 25 kilos, c'est ouais. ça? Ouais. Donc, il gagne le secteur à 25 kilos. Ça va te faire remonter dans le classement général, ça? Je ne sais pas. Hier, tu gagnes. Aujourd'hui, c'est beau score. 20 000 hier. Deuxième place? Ouais, ouais. Deuxième, troisième place. Demain, tu tombes dans quel secteur? À Marie. Mairie. Ah oui, Mairie. Difficulté, ouais. non? Je ne sais pas. Ça sera pour demain. Hein. Merci, Denis. Sympa. Ouais. Et puis, bon courage pour demain. Merci. Hein? Merci. Merci. Allez, avec mon Jo, après sa manche du vendredi. Alors, dis-moi tout. Manche très compliquée, hein, ça partait bien. ouais, mais les poissons ont très vite reculé, ouais. malheureusement. Donc, toi, tu as pris la décision, comme on en a parlé au bord, de pêcher très, très proche, 14 mètres, si je ne me trompe pas, tu confirmes. De prendre le risque, forcément, de faire un score. Et tu as bien commencé avec 5 poissons rapides. Et après. Après, ça s'est éteint complet. Ouais. une touche, pas un gardon, rien. Ça. Très compliqué. Au bout de 3 quarts d'heure, j'ai rallongé, je suis passé à 24. C'est que j'allais te demander qu'est-ce que tu as fait justement à partir de là. Ça a repris quelques poissons, mais guère plus au final, ça n'a pas déclenché, ça s'est pas mis en place, il n'y a pas eu de construction du coup. Ouais. Et sur les 2 dernières heures, je suis parti avec 44 mètres. Ouais. Comme j'ai reconstruit un coup. Tu n'avais pas fait le coup? Non, j'ai reconstruit, donc ça a mis encore 3 quarts d'heure, bien rentré. Ouais. Par contre, après, il y avait vraiment des poissons pour des poissons. J'ai vu qu'après, quand je suis passé, tu avais des touches régulières. Ouais. J'ai fait, je pense, les 3/4 de ma pêche là-bas. Ouais. Tu penses avoir réagi trop tard. Trop tard comme Franck, je pense, c'est ça? Beaucoup trop tard. Ouais, ouais. Beaucoup trop tard. Et puis, je l'ai simulé en croyant qu'il ne me restait pas de temps de plus de 2 kilos. Donc bon, c'est ça de ne pas avoir de coach. Forcément, quand tu as 12 000 et qu'il y a 15 000, tu vois, c'est. Ça joue à très peu finalement. C'est 2 000 et quelques que tu laisses dans l'eau pour rien. C'est un peu dommage, mais bon, ça c'est la pêche. Demain, quel secteur? Demain, ça sera les grands fonds. Ouais. Donc maintenant, un bon tirage? Ça ne changera plus grand chose là. Ouais, je pense que ça va être. Il manque trop de poids. Kilos. Il va manquer trop de poids. Il va y avoir des 15 000 d'écart maintenant, donc c'est fini. Là. Le Belge est pas mal, a fait une belle remontée. Ouais. Celui qui a gagné dans ton secteur hier, il gagne encore aujourd'hui.
Je pense qu'il va être dans le top 3 au niveau. Logiquement, il serait même 2 là ce soir. Je pense que dans le top 3, voire 2 comme il serait 2. Donc demain, il serait. Il me semble qu'il est au grand fond aussi. Ouais, je pense. Ouais. Donc il y aura le 1, le premier et le deuxième. Deuxième dans le grand fond. Donc ça va être une belle finale. Ouais, il y aura un beau challenge là aussi. Bon, bah écoute, Mojo, merci d'avoir pris le temps. C'est sympa. Ouais, je serai pas là demain. Le boulot m'appelle. Mais je suivrai forcément ça à distance. Ouais. Merci, Jo. Sympa. Allez, ciao. Allez, en direct avec Franck après sa troisième manche. Aujourd'hui, ouais. Secteur pompier. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? T'as l'air fatigué. Ouais, au 103, quoi. Ouais. La place a fait 2x1 les deux jours précédents. Ouais. Et avec des pêches à 18-20 mètres. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, je vais mettre 18-20 mètres pareil. Pour refaire du score, pour forcément. Pour refaire du score. Ouais. D'entrée, ça a bien commencé. D'entrée, il y a eu 4-5 poissons d'affilée. Ouais, c'est ça. Voilà. Et d'un seul coup, rideau. Ça s'éteint. Et puis plein de touches, mais difficile à ferrer. Ouais. Et alors après, donc du coup, au bout de, une bonne heure, je rallonge à 25 mètres. Ouais. 25 mètres, 25 mètres, je prends 2-3 poissons. Et puis rien. Rideau. Après, rideau. Et du coup, j'ai encore au bout de 2h30, je rallonge 35 mètres. Ouais. Et là, 35 mètres, après, ça a mis un moment à rentrer. Mais quand c'est rentré, après, plus régulier, fait quelques mulets, des plus beaux poissons. Ouais. D'accord. Et au final, la pesée, j'ai 15 000, un peu plus de 15 000. 15 000 et les brouettes. Bon, tu sauves bien le belle remontada. Je pense que si je pars... C'est ce que j'allais te dire. Si tu réagis avant... Je pense que si je réagis plus tôt, pense qu'on peut aller chercher la deuxième place qui est à 20 000 et quelques, je pense que c'est jouable parce que je vois que j'ai 15 000, quasiment 16 000. Ouais. Et si je vais, je pense une heure plus tôt, je pense qu'il y a possibilité de faire les 20 000 largement. Ouais, tu as fait une très belle dernière heure. Ouais, une belle remontée. Quoi. Ouais, ouais. Mais après, avec quelques mulets, bien sûr, décrochés comme tout le monde. Ça me met 15 kilos. 15 kilos. Je pense que là, j'étais dans le top 10. Je pense que je vais rester entre 12 et 10, je pense. C'est pas encore fini. Ça reste encore une manche, mais je pense que ça va être. Secteur mairie. Je pense que ça va être compliqué là-bas aussi. La place va être importante. Le tirage va être important. Je pense qu'il faut soit l'aile, le 82, sinon les petits numéros. Tout à fait. Ce qui a été donné durant les 3 jours de pêche. C'est les places qui sont le plus prolifiques. Je te souhaite un bon tirage pour demain. J'espère. Je ne serai pas là, mais je suivrai le résultat avec ça. Et puis, merci pour avoir pris le temps. C'est sympa. Ça marche. Allez, salut tout le monde.
là, on est sur cette maison de gauche. Je suis réapposé. Bien joué, Nas. Tu renvoies, c'est rapidement.
Allez. Parce qu'elle repart pas. Je vais faire partir. Allez, voilà, Kiki. Allez, t'es quoi, mec? Reste uur aan de vallen. Ik vang de eerste uur een hoop en dan valt het gans stil en ik begin een kleine vis te vangen en toen begin ik klotten te vangen, een paar klotten erbij. De eerste uur, gewoon door. De eerste uur. De eerste uur. 11 uur. Geen soms. 2 kilo zijn 50. Nee. Mooi, hè? Ja, 16. Kilo of 2? Oui, oui, oui. Ah. Allez. Een karp. Oeh, een karassel. Ja, ja, ja. Het telt niet. Ja, dat spiel je maar. Ja, die arbeid is. Zit kilo. Heb je arbeid vandaag? Ja, doe maar. Oh. Ja, dat is het. Ja. Ja. Een pisje. Gaan we koken, Sam. Morgen heb je die tol plekken. Daar gaan we. Ja. Ik weet niet hoeveel kilo dat gaat liggen. 20.000, ça va falloir. Allez, pesé de Franck. Qui a fait une belle remontée aussi. Allez, des bons mulets. Pas sur les mulets. C'était mauvais. Il a pris du poisson, nom de Dieu! Attention, on revoit! Attention, les mulets! Attention, on a des bons mulets! Allez! Pas normal, ça! Et Jo! Oh, il y a du poisson! Oh. Allez, pêche de Jo! Oula! Attention, vas-y! Non, non.